Asdeqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et surtout pour le meilleur de toutes les situations. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maghrebia et merci de nous recevoir chez vous et parmi vous une nouvelle fois. Pour moi, je suis content, heureux et ravi de vous retrouver. Cette 308e vidéo vous propose votre CQFD, c'est-à-dire ce qui fait discussion à chaque fois entre nous, et votre CQFD de votre bled Maghrebia se consacre, se penche toujours sur cette actualité nord-africaine, cette actualité maghrébine, pour venir vous la résumer très très brièvement, en quelques mots, si ce n'est en quelques petites phrases. Dénicher, récolter, sélectionner, trier par-ci par-là pour venir vous les servir avec énormément de plaisir. Et justement, ce CQFD, le présent CQFD, se consacre cette fois-ci à cet exode, oui, exode, pas n'importe qui, non, l'exode des pilotes d'Air Algérie. En effet, en plus des nombreux haragas, et des médecins dernièrement, voilà venu le tour des pilotes d'Air Algérie. Comme vous le savez, chers amis, avant que ne coule un navire, n'importe quel navire, les rats, les souris, ces rongeurs ont ce sens, ce flair de le savoir avant les autres, avant tous les autres. Et ces rongeurs, ces rats, ces souris, sautent tous ensemble sur le quai. Sauf qui peut, quoi. Sauf qui peut. Il y a quelques jours, oui, juste quelques jours, une très vive polémique a éclaté au sujet des médecins algériens qui partent, qui souhaitent partir en France. Oui, en France. Cette marraine d'autrefois. Oui, cette marraine d'autrefois. Oh, finalement, on la retrouve. Vous savez, chers amis, au total, pas moins de 1200 praticiens algériens. Oui, 1200 praticiens algériens, tous des médecins, ont réussi cette année ce fameux concours d'équivalence pour exercer dans cet hexagone, oui, à savoir en cette France, France profonde. Un véritable exode, oui, chers amis, un véritable exode qui a suscité un vif débat un peu partout, oui, un peu partout, puisque nous-mêmes nous en parlons ici. Et chers amis, le même scénario va-t-il se reproduire avec cette fois-ci les pilotes, oui, les pilotes de la compagnie aérienne nationale Air Algérie. Et là, on pose vraiment un fameux gros point d'interrogation. Encore une fois, oui, chers amis, encore une fois, un dilemme. Un dilemme pour cette Algérie dite pourtant nouvelle. Et elle est loin de l'être. Ces dernières années, les départs de pilotes algériens vers des compagnies aériennes étrangères sont régulier. Mais pour la tendance actuelle pourrait s'accélérer encore davantage cette année, oui, cette année, pour plusieurs raisons. Oui, pour plusieurs raisons. Avec la reprise du trafic aérien, maintenant, après 2 ans de fonctionnement au ralenti, cause du Covid, bien évidemment. Les compagnies aériennes mondiales renouvellent, oui, renouvellent et renforcent leurs effectifs pour répondre à la forte demande attendue dans les prochains mois. Et selon les toutes dernières informations, oui, les toutes dernières informations, de nombreux pilotes, cette fois-ci d'Air Algérie, sont sollicités pour rejoindre des compagnies étrangères, notamment celles du Golfe.
En plus des salaires alléchants, les pilotes de cette Air Algérie ont d'autres raisons de postuler ailleurs, dont la principale raison concerne non seulement leur régime, le système politique, mais les heures de vol, oui, les heures de vol. L'Algérie a fermé ses frontières, pratiquement toutes ses frontières, pendant 15 mois, avant d'autoriser une reprise partielle des vols, en juin dernier seulement, avec une centaine de rotations par semaine, avec 13 pays. Eh bien, les pilotes d'Air Algérie perdent beaucoup, beaucoup d'heures de vol. Selon de nombreuses sources, oui, selon de nombreuses sources, un pilote Air Algérie a perdu en moyenne quelques 800 heures de vol en raison de la crise et de la reprise partielle des vols. Selon une déclaration, c'est très mauvais pour eux sur le plan carrière, expérience, licence de pilotage et même revenu. C'est ce qu'explique une source proche, très proche de ce dossier. Sans renforcement rapide du programme de vol, eh bien, chers amis, beaucoup de pilotes d'Air Algérie pourraient être tentés de partir voir ailleurs, auprès de compagnies dont les programmes de vol sont chargés, là où il y a du travail finalement. Ce qui fragiliserait encore davantage et considérablement cette compagnie publique algérienne, qui est déjà très malmenée par cette crise sanitaire de COVID-19. Et donc, chers amis, chers adeptes de la chaîne, c'est ici que prend fin cette courte, très courte séquence. En prenant congé de vous, mais néanmoins, nous espérons vous retrouver très très bientôt, avec un immense plaisir, pour vous relater d'autres sujets lors de nos prochaines vidéos de votre CQFD, c'est-à-dire de ce qui fait discussion à bâtons rompus à chacune de nos entrevues. Un tout grand merci pour votre confiance, votre fidélité et votre patience, et surtout, surtout, pour votre participation de nous écouter jusqu'au bout des séquences. Qui attendent, ces séquences attendent énormément de vous, de votre soutien, en nous encourageant. Mais néanmoins, ne nous oubliez pas, n'oubliez pas d'aider votre chaîne en vous y abonnant très très nombreux afin d'être informés très très rapidement et ce en toute primeur, bien sûr. N'hésitez pas, n'hésitez surtout pas de partager au grand maximum autour de vous vos séquences vidéo où vous pouvez le faire. Et donc ces vidéos de votre chaîne. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir, les amis. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. Ila al-liqa fi hissa ukhra, inshallah, ma'a salama.